Bonsoir, lors de cette vidéo, quelques petits bugs de la webcam. Merci donc de ne pas les prendre en considération. Cordialement. Salut à tous, c'est Paulin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau jeu. Je sais pas si ça va être en plusieurs parties, je pense que oui. C'est sur Fossil Echo, qui est disponible sur Steam à 15€ au moment où je l'ai acheté. Et puis on va avoir droit à une aventure juste magnifique au niveau des yeux, au niveau du son, etc. On va essayer de se plaire dans ce jeu, j'espère que ça va vous plaire surtout. Et puis donc on va commencer tout de suite. Avec donc ce petit personnage qu'on va suivre. Juste qualité de l'image, le jeu est super beau, est super joli, il n'y a rien à dire. Et je suppose qu'on aura des péripéties. Voilà, c'est un mot que j'avais appris en troisième à peu près. Des obstacles, on va dire, pour ceux qui ne sont pas encore en troisième. Non, mais ça va être sympa. Ça va être très, très, très sympa ce jeu. J'en suis persuadé. On laisse d'ailleurs admirer. Donc, Paulin, tais-toi juste 2 secondes, s'il te plaît. Merci, John Robert Matz, pour cette musique. Merci. Donc là, on arrive sur une île. D'accord, donc pour sauter, c'est la touche espace, très logiquement. Je suppose qu'il faut qu'on saute juste ici. Elle escalade bien, le petit. Hein. D'accord, on peut sauter plusieurs fois pour escalader, ok. Je sais pas, c'est une folle. Eh, c'est super beau, au niveau du générique... Du générique, en fait, plus on monte dans la montagne, c'est une montagne, et plus il y a le générique du début. Donc ça, c'est... Voilà, game, feel, crifo. Alors, on peut sauter que... On peut faire qu'un double saut, d'accord. Je vais y arriver. Nickel. C'est un petit peu compliqué. Non, je déconne. J'espère que ce sera en plusieurs épisodes, ça serait cool. Pas qu'en une seule vidéo comme Antenna. Il me ressemble un petit peu. Il y a un ninja, ma gueule. On a entendu le son du ninja tomber largement à l'avance. Mais qu'il n'est pas en train de prédire, j'espère. C'est un temple. En fait, c'était un temple. Superbe intro. Fossil Echo. Si vous voulez jouer d'ailleurs, c'est sur Steam. Je mettrai peut-être le lien, même sûrement le lien du jeu, dans la description de cette vidéo. On est parti. Peut-être qu'il faut qu'on rentre déjà dans ce temple. Ok, il y a des ninjas, ils sont. Ouais, ils sont quoi? Ils sont assommés? Je crois, il me semble que oui, ils sont assommés. Nickel, en plus il y a des flèches pour nous guider. Mais je crois que c'est plus pour l'entraînement qu'ils nous font ça. Qu'ils nous font faire ça. Il n'y a pas de double saut en l'air, c'est juste contre un obstacle, contre un mur qu'on peut faire. Un double saut. Alors elle a perdu une plume noire et blanche. Je ne sais pas s'il y a une utilité. Ok, donc là ça se joue avec le doigté, hein, les amis. J'ai pas. Ah, d'accord, c'est. Ah putain, d'accord. J'allais dire, il y a du temps, mais il faut m'avoir compris, je pense. J'essaie de speeder, mais c'est chaud. C'est chaud, ma gueule. Eh, c'est super hard. Enfin, voilà, pour un bon début, je commence plutôt bien. Et je vais y arriver. J'ai atteint cette porte. On retrouve les plumes. D'accord, c'est juste pour récupérer ces deux plumes qu'il a monté toutes ces marches et qui m'a fait perdre à mon sang-froid. Là, on est dans un nouvel étage. Alors, par contre, il y a des ninjas et eux, ils sont pas assommés. Comment on fait pour se taper? Pour se taper d'accord, il y a pas les touches. Ah, mais tout simplement, c'est faut pas les taper en fait. Faut passer derrière eux quoi. Faut être fourbe en fait. On continue la fourberie, les amis. Qu'est-ce qu'il y a en haut de cette tour? On se le demande tous.
c'était un feu éteint. Enfin, je kiffe l'ambiance sonore, c'est un truc de ouf. En plus de la qualité du jeu, exactement. Enfin, exactement, le mec se parle tout seul, mais effectivement, j'allais dire. Donc là, je suppose qu'il faut qu'on saute, nickel. On rentre dans ce temple. Donc là, on a un jeu de plateforme. Alors, ah, par contre, les amis, il va falloir que je gère. Nickel. Nickel, ok. Faut pas que je tombe. J'ai pas envie de tout recommencer, en fait. Qu'est-ce que je disais? Le mec dit, faut pas que je tombe, je me pète la gueule juste après. Ah, écoutez, réfléchissons. Bon, je pense y arriver. C'est en plusieurs coups qu'on y arrive. Très logiquement, on peut pas y arriver du premier coup. Ok, ça a été chaud, mais j'y suis arrivé. Ok. Ça sera coupé au montage. Non, je déconne. Il y aura sûrement, très certainement, des moments coupés au montage. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Il faut juste que j'apprenne à... Il faut juste que j'apprenne à bien gérer le déplacement. Troisième fois que je crève en 3 secondes. Ah, attendez. Putain, premier essai, j'avais grave bien géré. Enfin, pour un premier essai, en tout cas. Là, je vais attendre. Non, c'est trop tôt. Voilà, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais temporiser. On peut pas sauter. Je sais ce que je peux faire. Ça se trouve, faut sauter au-dessus. Je vais vous montrer. Alors, attendez. Hop. Ça fout un peu la rage, ce jeu. Je vous l'admets. C'est pas français encore. Ma belle faute de français, je vous l'admets. Regardez, juste ici, et si je peux sauter au-dessus, là? Non, je peux pas, mais comment passer? En fait, faut savoir à quel moment il faut que je commence à descendre. Donc, à quel moment... Faut que je regarde la pierre, en fait, qui... Vous avez vu comment elle descend d'un coup, la pierre, en bas à droite, là? Eh ben, c'est elle qu'il faut que je sache à quel moment je dois la voir. À quel moment elle commence à tomber, en fait. Et à mon avis... Genre quand elle commence à descendre. Boum. Mais non, je suis con. Donc je vais revenir là. Non, c'est encore... C'est là, maintenant. Hop. Hop. Oh ma gueule. Oh, je l'ai eu. Alors là, par contre, je veux pas crever. Mais qu'est-ce... Pourquoi il tombe à chaque fois? D'accord, ça va tellement haut qu'il faut se lancer plus tôt, en fait. J'ai pas envie de... Attends, mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Le mec il est en train d'être assommé, mais à chaque coup, quoi. Regardez, pauvre. Faut peut-être sauter juste avant. Mais je peux pas aller plus loin. Je suis désolé, je peux pas aller plus loin. Oh, je sais, il faut que je m'accroche. Je sais, ok, c'est bon, j'ai compris. Désolé de te faire assommer à chaque fois. On va y arriver. Voilà, calme-toi, j'ai pas envie de crever dès le début. Enfin, si je crève ici... Ok, j'allais sauter. Garde ton calme. Oh putain, j'y suis arrivé. Ok, tu gardes ton calme. C'est Mario le truc, c'est... Mais il coulisse pas. Voilà, on se retrouve. Ensuite. Ok. Garde ton calme. Ok, je vais sauter. Ok, j'y suis arrivé. Oh, putain, j'ai cru que j'étais mort. Wow, non, c'est bon, tranquille. Et je vais là-dedans. Eh bien, les mecs, après une trentaine de tentatives et 2 jours de lutte acharnée, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le mec, il a... Alors, à gauche, c'est une assiette. À droite, c'est une coupelle. C'est une cloche. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Et au milieu, c'est le soleil. C'est joli. C'est très joli. Hop, et je continue sur la deuxième porte. Et ben, ça m'a bien saoulé, en tout cas. Cette lutte. Alors là, là c'est fermé, donc je peux plus y retourner. Donc peut-être qu'il faut aller sur la gauche.
Non, fallait pas aller là. Ok. Donc là, je peux plus y retourner. Donc à mon avis, voilà, donc fallait aller là. D'accord. Très logiquement sur la droite. Bah, ça se trouve, on aurait pu aller sur la gauche. Donc là, on est sur une plage. Je kiffe l'eau. Ce qu'il veut lui. Je sais pas s'il est en français par contre le jeu. Il n'y a aucun dialogue de toute façon, donc je suis con. Ah, il lui donne le bateau tranquille. Là. Là, apparemment, il veut pas y aller. Il veut. C'est quoi, c'est dangereux? Mais il a assommé. Bah là, nickel, mon gars, tu prends la. Tu prends la pagaie et t'y vas, quoi. Ouais, je suis en train de rigoler, mais c'est pas drôle. Allez! C'est moi qui le pilote, le mec, ou... Non, c'est tout seul. J'ai l'impression que je servais à quelque chose, mais en fait, pas du tout. Ah, c'était un rêve! Non. C'était pas un rêve. Enfin, j'espère pas, parce que c'était beau, quand même. Ok, donc, on continue à monter. Et il s'est reposé pour monter, en fait. Parce qu'il va aller tout le temps, il me semble. Je pense que c'était un rêve, hein. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont peut-être essayé de faire comprendre. Et là, faut que je déjoue leur leur attention. Ok, j'ai vu à peu près quand quand ils étaient. Hop, à droite, gauche. C'est bon. Ok, nickel. Et lui, par contre, ah, faut que je tombe dessus. D'accord. Nickel, on peut pas prendre l'arme là, après on se casse et c'est easy quoi. Ok, on part par ici. Ok, il a assommé, mais je sais pas si c'est temporaire. Bon, c'est pas grave, on est parti par la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est des mines? Ah, il faut aller sur les mines. Comme on voit sur la photo, enfin l'image. Ok, donc à mon avis, il faut aller sur la gauche. Oh, il y en a qui m'a vu, c'est bon. Il m'a rien fait apparemment. Oh, je suis con, fallait pas que j'y aille, je regardais trop les bestioles. Enfin, je trouve que c'est des mines téléguidées ou j'en sais rien. C'est un petit peu le bordel. Ok, juste après que la mine elle passe. Nickel, c'est le bon timing. Et après j'y vais. Et là par contre c'est quoi le timing? Je regarde le mec d'en haut maintenant. La mine, ok. Moi je regarde juste le garde pour l'instant. Ok, je peux y aller. Wow, j'ai évité son tir de ouf. Je suis content. Il m'en faut peu hein, pour être content. C'est un petit peu nuageux. D'accord, faut encore. Oh putain, c'est encore un truc de rapidité. Je déteste ça. J'ai une grosse merde en rapidité. Donc si tu te rates une fois, c'est mort en fait. Ok, là c'était un petit piège. Fallait pas aller sur la rambarde à gauche. Ok, je suis mort. Je retry. Pourquoi on voit les plumes blanches et tout à chaque fois? Je sais pas si c'est un truc important dans le jeu. Hop. En tout cas, ça donne envie de connaître la suite. C'est pas encore fini la vidéo, mais... ça a l'air stylé. J'ai envie de savoir le but de cette histoire. J'ai eu chaud, mais c'est trop tard. Putain, c'est super dur. Je vais réessayer. Hop, je trace direct. Ah d'accord, on voit les plumes, elles sont devant. D'accord, bah elles montent en fait, tout simplement, je suis con. Hop, allez, hop, on se magne. Les plumes, elles peuvent pas s'arrêter, genre... Tu prends un filet de pêche, tu le prends avec toi, les plumes, j'en sais rien. Hop, tu te magnes. Boum, nickel. Et j'ai l'impression que quand tu sautes plus fort, c'est mieux. Putain, mais j'étais à ça. C'est un jeu qui rend ouf. Surtout que si ça se trouve, en haut de la tour, il y a rien du tout. Bah, il y aura les plumes, ça c'est sûr. Mais bon, pour des plumes, mon pote. Après, peut-être que tes plumes, elles sont chères, j'en sais rien. Hop, on continue. Hop, nickel. Le gros saut, nickel. Là, faut passer à gauche. À droite plutôt. Hop, tu prends ton temps, tu te calmes. Boum, boum.
Boum. Boum, nickel. Allez, je fais un petit 100 mètres. Oh, nickel. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Je sais pas pourquoi. Ok, les deux plumes, tu les récupères. Et par contre, attache-les bien, j'en sais rien, tu prends un filet. Enfin, je sais pas ce que tu prends, tu... Oh, tu les mets dans ta poche. Au lieu de les mettre sur ton bandana, mon pote. Il a le même nez que moi, d'ailleurs. On s'en fout. Pourquoi il a peur? Ninja. Joli. Joli. Et ton nez qui dépassait. Ok, c'était nul. C'est quoi le dessin en bas à gauche? Ah, faut aller dans l'ombre. Voilà, dans l'ombre, on est nickel. Ça ne se dit pas. Wow! Eh, tu te mets dans la lumière une seconde, ça a été mort. Alors, attendez. Je vais essayer de réfléchir. Nickel. Réfléchis, j'ai dit réfléchis, donc faut que je réfléchisse, tout simplement. Nickel. Il y en a un qui me regarde, il y en a deux qui me regardent. C'est pour ça qu'il y avait la petite cinématique dans l'ombre. Deuxième sur quatre. Troisième. Nickel. Là par contre, est-ce que je peux tailler? Non, je vais pas tailler pour l'instant, je vais rester comme ça. C'est impossible. Bon, je vais tailler. Ouh, j'ai de la chance. Mais là, les mecs se disent, monte dans la tour, j'en sais rien. Bien. Eh bien, je sais. Eh putain, il reste combien de d'étages de la tour? Bien, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, les amis. Je pense qu'ils vont redormir. On va s'arrêter là pour l'instant pour ce premier épisode. Dites-moi si ça vous a plu au niveau de l'audio, de la vidéo, les qualités, etc. Qualité sonore et qualité visuelle. Moi, je trouve ça super joli et j'ai envie de savoir ce qui se passe tout en haut de cette tour et la fin de cette histoire. Je sais pas encore si le jeu il va durer longtemps, je sais pas combien de temps. Peut-être 2 épisodes, 3 épisodes, je ne sais pas. Ce jeu est disponible sur Steam. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur le Facebook, le Twitter, le Snapchat. À vous abonner à la chaîne pour être alerté de la suite de ce jeu et des autres jeux. Et on se retrouve très bientôt. Salut à tous.